Amis viewers, bonjour et bienvenue pour les suites de l'aventure sur Mounted Blade Warband. C'est ça, c'est Warband. Avec le mode 108 Heroes. Bon, c'est la deuxième fois que je tourne cet épisode. Le mode a décidé de me casser les bonbons. Alors. Shi Wenbin est passé niveau 9. C'est intéressant. Alors, Shi Wenbin, il fait quoi dans le groupe? Voting, ouais. Alors, vos skills, jeune homme. Intelligence, très bien. Encore de l'intelligence, vas-y, fais péter. Alors, passing, spotting. Tracking, il a rien du tout. Donc, je vais monter trainer. Alors. Là, le but, hein, c'est de trouver les 108 heroes. Alors, Tang, Tanglong et Zanking. Zanking. Tanglong, je le vois pas. On va aller voir Zanking. Ok. Ça va être super compliqué. J'en ai essayé un autre tout à l'heure avant que ça. Ça devait être Kongming. J'en ai fait un tout à l'heure. Enfin, j'en ai essayé un tout à l'heure avant que ça plante et c'était pareil. Hein. C'était un enfer. Oh là là là. Et les armées violettes là, c'est des armées hyper pétées. J'attends de récupérer ma lecture d'esprit, voilà. Mon mind reading. Focus toujours la cavalerie hein, dans un premier temps. Pour l'instant, il n'est pas question de mener des sièges, donc. On va se focaliser là-dessus. Zutong. Si, Zutong, c'est celui qu'on a essayé juste avant, non? Ah non. Ah, Zutong, il est là. Little Conqueror. Comment veux-tu que je tue deux guerriers en armure avec un râteau, quoi? Faut pas le laisser respirer, lui, il a une putain de hallebarde. C'est ridicule. Les points de vie du mec, quoi, c'est ridicule. Allez, faut aller voir Zutong pour la récompense. Ah, 10 000 Liang et 32 réputation. C'est pas mal. Hein. Ok. Taverne. Je peux pas le mind reading. Mind reading. Avant demain. Donc on va attendre le demain justement.
Hongbing, il est dedans. Hein. Kong Ming, cheveux étoilés. Oh, comme c'est mignon. C'est bon. Alors celui-là, je l'ai essayé dans la partie qu'a planté. Vous allez voir, c'est n'importe quoi. En fait, il a autant. Il a, ouais, il doit avoir autant de points de vie que celui qu'on vient de buter, mais c'est encore plus dur, quoi. J'ai essayé de tomber le cheval déjà. Lui, ce qu'il faut, c'est essayer de profiter de l'allonge du bâton. J'ai pas d'autres armes, je suis en train de regarder. En fait, je l'ai déjà essayé. J'ai déjà essayé deux fois celui-là. La deuxième fois, j'ai un peu craqué, parce que vous allez voir, c'est un combat de fou. La deuxième fois, j'ai craqué, j'ai essayé de cheater, et en fait, ils ont bloqué les cheats. Ils ont bloqué les cheats pendant les combats de la quête. C'est très bien d'avoir fait ça. Ah putain, je... Et en trois coups, moi, c'est terminé. On lui met des bonnes douilles, hein, 40, 50, 60. Surtout de la précision et de la patience. Oh, GG. Oui, je m'auto-GG, je sais, c'est triste, mais ça fait du bien. Il m'a donné le Chao Stuff. Balanced Shadow Stuff, No Shield, ouais. M'en fous, moi j'ai mon Golden Dragon Mountain Split Guandao. J'ai toujours pas pu essayer d'ailleurs. Je vais sauvegarder des fois que ça plante. Ok. Un petit peu de Bowsy, hein, ça fait de mal à personne. D'accord, le fait de remplir le bouquin, en fait, ça me... Yuan, Yuanxin et Shien. Voilà. Donc le fait de remplir le bouquin, ça me donne des petits bonus en allant. Onglian, non? Non, 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 il n'y a personne. Bon, de toute façon, mon mind reading n'est pas prêt, donc on s'en fout. Wang Jiao Jiao, c'est pas ma healeuse. Ah, parfait. Ah, Kong Liang. Je crois que c'en est un, lui. On va vérifier, mais je crois que c'en est un. Alors, je suis désolé, mais j'arrive vraiment pas à retenir les noms.
Ok, la concentration. Ça devrait le faire. Là, j'ai cligné des yeux. Oh putain. Oh non. J'avais les yeux grands ouverts, ils ont fini par sécher. J'ai cligné des yeux, ça m'a complètement déconnecté du truc, quoi. Ah putain. Ah non, mais cette quête, ça va être un truc de fou. 1, 2, 3. Il en reste 4 à faire dans la faction des Lianchang. Je pense que quand on aura bouclé une faction, ça va nous faire un gros bonus. Peut-être même un item légendaire, je sais pas. Faut que j'aille voir Double Club là. Pour valider la campagne militaire. On va voir Kong Liang. Putain, Krug. Ouf. Yes. Putain, c'est chaud. Mais je vous jure, c'est chaud. Liang. Ok, c'était pas grand chose. Par contre, là, c'est bien, c'est que c'est une campagne militaire, donc ils vont tous venir en fait. Song King. Il y en a plus. Ah, c'est bon. Ujang. Ao Siwen. Song King. Un Song King, il est là, génial. Bon, mon arme est belle déjà. J'espérais qu'elle fasse de la lumière et tout. Là, je suis en train de regarder mes dégâts, il n'y a rien de... Des extra damage de 1 à 2. Après, ce qu'il faut voir, parce que rappelez-vous, hein, sur mon arme légendaire, il y a de l'XP. Et est-ce que ça se gagne en tuant des gens? Est-ce que ça se gagne? Parce que je sais qu'il y a un crafter légendaire, on l'a vu dans les notes du jeu. Un crafter légendaire à qui on peut ramener. Ok, voilà. Vous avez vu, mon Golden Mountain Split Gondao, il prend de l'XP. Oh putain. Ah, ça c'est une feature. On l'utilisait beaucoup quand on faisait du ADD quand j'étais petit. Quand j'étais petit, on le jouait. J'avais 16 ans, 17 ans, t'sais. Quand j'étais plus jeune, on faisait du ADD. On trouvait toujours le moyen de mettre une épée qui prenait des niveaux, vous voyez. La putain d'arme légendaire qui prend des niveaux, on enfermait. Alors, l'idée c'était d'enfermer des âmes des anciens guerriers dans les armes. Et comme ça elle continue à progresser les coquines.
Ah oui, 94 points de dégâts quand même. Je vais bien sûr libérer tout le monde parce que. En fait, après, faut surtout pas que je rejoigne une faction. Là, je suis mercenaire, on s'en fout. Faut surtout pas que je rejoigne une faction parce qu'après, il va falloir courir après. À courir après tous les mecs de toutes les factions. Hongliang, on l'a déjà fait, je crois, non? Ouais, donc ça. On peut choisir 5 héros. Bon, ah oui, ok. C'est juste que je peux pas jouer, mais. Oh. Bon, le jeu a planté, lamentablement. À demain, des bisous.